J'espère que tu as dit les bons mots. Vas-y, Binet. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à la naissance d'une très belle histoire. Non, mais regarde, regarde, ils ont l'amour dans leurs yeux, c'est trop beau. Mais regarde, regarde comment elle est là. Mais... Non, mais viens, Minette, on y va. On y va. Viens, on les laisse. C'est maintenant qu'il faut partir, là. Voilà. Bon, écoutez, on vous laisse. Ça nous a fait super plaisir de vous voir. En tout cas, merci. Ouais, pas de souci. Merci à vous. À bientôt. Ciao. On va aller quoi ? Quand on se retrouve que tous les deux, ben, ça me fait bizarre parce que j'ai tellement envie de la prendre dans mes bras, de la serrer. Je sens encore les papillons que j'ai toujours chaque jour, mais là, encore plus. Moi, là, ce que je suis en train de faire, ça me fait du mal aussi à moi. Genre, en fait, je te fais galérer pour te faire galérer. Mais là, en fait, j'ai qu'une envie, c'est qu'on se retrouve parce que notre complicité, elle était tellement forte. Genre, on se regarde, j'arrive pas à ne pas rire. Mais j'ai la haine dans ma tête, dans mon cœur et tout. J'attends qu'on se remette ensemble, qu'on vive ce qu'on avait commencé. Mais s'il y a bien un truc que je peux te dire, c'est que plus jamais de ma vie, j'accepterai ce que t'as fait là. J'ai pas envie de tout gâcher, en fait. C'est ça, j'ai pas envie de dire j'ai gâché une relation par rapport à cette semaine tentation, alors que pour moi, c'est elle et pas une autre. Comme je te l'ai dit, c'est... Ça te dit, on va balader un peu? Ouais, vas-y. Allez. La sensation, elle est trop bizarre parce qu'en fait, on se parle. Je me dis, ben, dans la voiture, elle était complètement bornée, elle voulait pas. Et je sens en fait que, voilà, elle est beaucoup plus libérée. Elle a eu cette discussion avec Yesta. Et je pense que ça a apporté beaucoup. Et je le vois en fait dans son regard et même dans comment elle me parle, que c'est complètement différent, c'est une autre personne. T'as compris que genre des affaires, des ce que t'as fait, j'accepterai plus jamais, mais vraiment je rigole pas par contre. C'est pas une blague. Genre tu refais le quart de ce que t'as fait, mais vraiment je te jure. Parce que là en fait c'est dommage, je te faisais confiance, t'as détruit la confiance et en plus tu t'es enfoncé. Donc je me dis pour le il va s'approcher d'une meuf. Alors que j'étais pas comme ça. Hein. Genre Belle, moi je m'en fous. Là tu parles à Belle, j'ai vraiment envie de te mettre. Ah ouais? Mais oui. Et c'est pareil sur la confiance. Il faut faire un truc de malade, genre un travail de malade. On va re-signer un contrat de confiance en gros. Mais je rêve où tu es en train de me dire que. Quoi? Que t'aimerais. Oh, ça m'avait manqué ça. Mais t'es chiant la vérité. T'as tout gâché. Mais non. Oh, tu vas tout réparer. Hein? Tu vas tout réparer. Mmh. C'est la libération. J'ai l'impression que c'est comme le premier bisou qui revient, en fait, cette sensation de papillon dans le ventre. Je suis trop content. Et j'ai qu'une envie, c'est... Voilà. Continuer à la serrer dans mes bras, lui faire plein de bisous. Et franchement, je suis trop content. Vraiment, je te jure, t'as intérêt de faire un boulot monstre. Mais oui, je suis prêt, J'ai peur de me faire avoir, en fait, mais ça me saoule. Hein. Mais je sais que c'est différent avec toi. J'ai tort? Jamais. Et comme je te regarde, tu crois vraiment que je vais te faire quelque chose? Bah, tu ne feras plus jamais rien. Plus jamais. Que de l'amour, de la complicité, de l'humour. Plus jamais. Je vais retrouver le faux d'avant, en fait. Avec des preuves. Vraiment, je rigole pas. C'est vrai, tu les auras. Tiens, t'es content, hein. Je lui pardonne, mais c'est pas pour autant qu'il a regagné ma confiance, que j'ai accepté ce qui s'était passé, parce que je pense qu'il va falloir quand même du temps, des preuves, des actes qui me prouvent que vraiment, c'est moi et pas une autre.